Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résultat du concours des 1000 abonnés. Alors là, c'est le grand jour pour pour les deux gagnantes, parce qu'il y a il y a deux lots, un lot pour le scrap et un lot pour le planeur. Je vais vous montrer d'abord les lots et après je vais faire le tirage au sort. Alors, le premier lot, c'est, on va faire le lot scrap. Alors, c'est la boutique Belle et Organisée. Voilà, pour le lot un automne pastel. Alors, je vais vous montrer par rapport au mien. Alors, voilà, il est magnifique, très belle couleur pour l'automne. Voilà, il est vraiment super, moi je l'adore. Voilà, il est trop joli. J'espère que ça va plaire à la gagnante. Voilà, voilà. Et avec, il y a des stickers. Alors, les stickers sont ici. Je ne vais pas les ouvrir, je vais vous montrer les miens. Alors, je vous montre en gros. Voilà pour les stickers. Franchement, ils sont vraiment beaux. Voilà. Et une deuxième boutique, ma boutique chouchou. Voilà, ce sont des stickers de la boutique Lanob Planner. Alors, je vais pas les ouvrir. Ouais, je peux vous les ouvrir parce que c'est, ça ne déchire pas le papier. Voilà, je vous montre. Alors, j'ai pris petit bonhomme pour faire les courses. Une petite planche, petit bonhomme qui mange des pastèques, et le deuxième, la troisième planche, c'est pour nettoyer le sol. Voilà, je vais mettre celle-là en premier. Voilà, alors voilà pour le lot planeur. Les lots sont équitables, pour que ce soit lot planeur ou scrap, ce qui est, je trouve, un peu normal quand même. Voilà, maintenant pour le lot scrap, c'est une carte cadeau d'une boutique. C'est la boutique Horizon Créatif. Voilà, d'une valeur de 10 euros. Voilà. Voilà. Et j'ai décidé aussi de mettre, pour que ce soit équitable, aussi un washi tape. Voilà. Un washi tape. Alors, il est comme ceci. Un washi tape comme ça. Et un autre washi tape comme ceci. Voilà. Là, c'est vraiment équitable. Voilà. Parce que le kit... voilà quoi, c'est vraiment, ouais, moi je trouve que c'est vraiment équitable, parce que c'est, voilà. Voilà, alors, voilà pour les lots. Bien sûr, j'enlèverai tout à l'heure le code pour que, pour la personne, hein. Je ne vais pas lui laisser le petit papier. Alors, je vais peut-être allumer, ça sera mieux. Oh là, la lumière vient. Oui, c'est bon. Alors, je vais prendre mon calepin.
Voilà. Normalement, vous êtes 14 participantes au concours. J'ai reçu que 9 créations, pardon, je vais y arriver. 9 participations que j'ai reçues. Et malheureusement, 2 personnes qui n'ont pas respecté les conditions, c'est-à-dire de mettre le chiffre ou la lettre 1000 sur la création. Vraiment, c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé qu'elle le mette dans le lot pour tirage pour gagner un des lots. Mais malheureusement, je ne peux pas vis-à-vis des autres personnes qui ont respecté les conditions A à Z. Voilà. Alors, dommage, vraiment. Mais voilà, franchement, j'ai un peu déçu quand même que ces 2 personnes puissent ne peuvent pas participer au tirage au sort, malheureusement. Alors, ces personnes, je vais vous dire les noms. C'est Nathalie C. Je vous montre la carte. Voilà, Nathalie C. Voilà sa carte. Malheureusement, il n'y avait pas le chiffre 1000. Voilà. Dommage. Mais sinon, ta carte est magnifique. J'aime beaucoup. Alors, toi, tu étais le numéro 5, Nathalie. Et c'était pour le lot planeur. Voilà. Voilà. Et la deuxième personne, c'est pour le lot scrap. Alors, ça fait une planeur et une scrap. Voilà. Alors, c'est Team Mila. Malheureusement, il n'y a pas le chiffre 1000 ou la lettre 1000. Dommage. Parce que ta carte est vraiment magnifique. Vraiment dommage. Voilà, alors je vais vous enlever vos étiquettes pour que je puisse faire le tirage au sort. Alors, normalement, je devais recevoir la création de Célie Scrap pour le planeur. Normalement, vous êtes 3 pour le lot planeur, mais malheureusement, il n'y aura que une qui est Lilo Scrap. Voilà. Alors, voilà. C'est toi qui gagne le. J'ai pas besoin de faire le tirage au sort vu que tu es toute seule. Voilà. Alors, tu gagnes le lot planeur. Voilà. Ça, c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Voilà. Voilà, je vais enlever Nathalie C, vu que voilà. Et puis Team Milan, que je vais aussi enlever pour le lot scrap. Voilà. Sinon, tous vos noms sont notés sur les papiers, hein. Vous pouvez voir vous-même. Alors, ça fera 6 participantes au lieu de 7. Les autres que je n'ai pas reçus, voilà, malheureusement, voilà, les participantes qui devaient m'envoyer une création, hop, et que je n'ai jamais reçue, voilà, c'est dommage. J'aurais aimé que vous gagniez le lot. Voilà. Alors, on va maintenant passer au tirage au sort. Je vais et je vous montrerai la création de la gagnante pour le lot scrap.
et je vous remontrerai les autres cartes des participantes. Voilà. Alors, je plie tous les petits papiers. Ils sont pliés de la même façon. Voilà. Alors, je vais juste mettre ça de côté. Voilà. Alors, je referme bien. Voilà. Alors, allons-y. Je ne vois rien. Hein. Vous pouvez voir hein, vous-même. Voilà quoi, il n'y a rien, on voit pas les noms. Hop, alors on y va. Hop. Et bien sûr, je ferme les yeux. Voilà. Ceci qui est, attention, tada, la fée bricoleuse. Voilà, c'est toi qui as gagné le lot scrap. Voilà, alors je remontre les lots, le lot scrap. Voilà, hop. Et avec les washi tape. Voilà. J'espère que ce lot te plaira. Tu pourras choisir pour 10 euros dans la boutique de Horizon Créative. Voilà. Si tu ne connais pas, si jamais, si tu n'as jamais commandé dans cette boutique, c'est livré pour la Suisse, hein, si jamais. Voilà. J'ai fait exprès que ça puisse aussi faire Suisse et un peu tous les pays. Voilà. Voilà. Alors, voilà les filles. Alors, je vais vous montrer les créations des deux gagnantes. Alors, déjà, la création de Lilou Scrap. Voilà. Et elle est magnifique. Voilà. Vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Toutes vos créations, bien sûr, vont être mises au mur. Je vous montrerai, bien sûr, comme ça je peux les voir quand je suis dans ma scrap room. Voilà. Alors voilà la carte de Lilou, d'Aurélie Lilou Scrap. Voilà. Et la création de la fée bricoleuse. Franchement, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Et en plus, c'est une compatriote suisse. Voilà. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Voilà, ma belle. Voilà, et je vous montre les autres cartes des participantes. Voilà, ça c'était Sandrine Richaume. Voilà, magnifique. Et j'ai vu que c'était par rapport à mon tuto. J'avais fait une fois une vidéo. Voilà, très jolie carte. Là c'est la Mouta. Voilà, les magnifiques. Création, voilà, elles sont vraiment magnifiques. La création de Claudine Offerman,
Voilà. Très joli aussi. J'aime beaucoup l'écriture et tout. Il est vraiment magnifique. Et la création de Creasofy Scrap, alors, qui était dans une grande enveloppe, comme ceci. Hop. On avait fait plusieurs créations. Voilà. On avait fait un marque-page, je crois que c'est un marque-page ou un tag. Chaque fois, je me trompe parce que, entre marque-page et tag. Voilà, sinon il est magnifique. Voilà. On avait fait une petite ATC aussi. Voilà. Très joli, j'aime beaucoup. Et elle m'avait mis des petits paperclips. Et elle m'avait fait une carte MemoryTex que je vais aussi t'envoyer. Voilà. Ça, je vais l'enlever comme ça sera fait. Je vais pouvoir ranger. Voilà. Et la dernière, c'est Marie 84. 80, non, non, 84, pardon. J'arrive pas à dire en français. Je vous mets juste là, voilà. Et elle m'a mis une magnifique création. Voilà. Très jolie, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, bien sûr, les filles, je vais vous envoyer une carte. Mais ça sera à mon retour de vacances parce que là je pourrais pas, j'aurais pas le temps de vous envoyer une carte à vous toutes. Mais aux deux gagnantes, je vous enverrai votre carte avec le lot bien sûr et je vous enverrai ça au plus tard vendredi 13. Voilà. Alors encore toutes mes félicitations à Lilou, Aurélie Lilou Scrap et la fée bricoleuse. Voilà. Alors je vous fais de gros bisous et puis avant tout, je tenais encore à vous remercier toutes et désolée pour celles qui n'ont pas gagné et dommage pour les deux qui n'ont pas rempli vraiment les conditions qui étaient demandées. Voilà. Mais sinon, vos créations sont vraiment magnifiques. Voilà. Sont vraiment magnifiques. Voilà. Voilà les filles. Alors cette fois, je vous laisse. J'ai assez blablaté. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.